La vidéo TikTok de taille de boisson de McDonald's suscite l'indignation en ligne. La vidéo a été visionnée plus d'un million de fois et compte plus de 12 000 commentaires. Une vidéo TikTok d'un employé de McDonald's a suscité l'indignation en ligne après que le travailleur a affirmé que toutes les tasses de la chaîne de restauration rapide contenaient la même quantité de boissons. Dans la vidéo visionnée plus d'un million de fois lundi soir, un employé verse du coca dans une petite tasse McDonald's dans un médium, puis un grand, le tout sans glace. Chaque fois que la boisson est versée, elle s'adapte à la taille suivante. Il nous ment, biche, il a sous-titré la vidéo. La vidéo compte plus de 12 000 commentaires. Rempli principalement de sceptiques qui affirment que Coca-Cola a déjà été versé dans les tasses à l'avance. C'est ce qui se passe lorsque vous remplissez légèrement chacune des tasses. Puis que vous en versez plus, a écrit une personne, tandis qu'une autre a accepté d'ajouter. Vous pourriez au moins rendre moins évident le fait que vous avez rempli la tasse cependant. Certains utilisateurs disent que la vidéo est légitime, y compris un utilisateur qui prétend être un ancien employé. J'ai travaillé chez McDonald's et c'est vrai, a déclaré l'ancien employé. Dites toujours pas de glace ou de glace sur le côté, dans une autre tasse, et ne commandez que des petits plats jamais moyens. Pendant ce temps, un autre utilisateur a souligné que le fait que l'affirmation soit vraie ou non n'a pas d'importance. Dans tous les cas, vous allez juste remplir la tasse entière de glace et ne laisser aucune place pour la boisson elle-même, a écrit l'utilisateur.